Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la dernière carrière sur FS22 les amis. Et donc on est au mois de juin, nos moutons vont bien, le petit robot commence à nettoyer. Aujourd'hui il va falloir moissonner l'orge et il va falloir récolter les carottes. Et il va falloir aussi tester de voir si ça marche de mettre un coup de ferti. Je suis pas sûr parce que comme je vous ai dit la dernière fois, je pense que mon champ là, enfin mes champs là, ils sont buggés. Ils sont buggés. C'est pas une question d'être trop petit ou quoi, les gars, je vous arrête tout de suite. C'est juste un petit bug, ça peut arriver. Mais je pense que. Je pense qu'ils sont buggés jusqu'à la prochaine récolte. Ouais, c'est ça. Ok, bon, c'est pas grave. On aura un rendement pourri pour cette fois. C'est pas un drame. Du coup, on va aller chercher la mosse batte et on va attaquer. Hein. Il est beau mon tournesol, je suis content. Il t'en faut peu pour être heureux. Ouais, ah, ouais, j'avoue. Alors, de la paille, il nous en reste 72 000 litres, ce qui est plutôt pas mal, hein. Ce qui est plutôt pas mal. Et du foin? Du foin, il en reste que 36 000? Ah ouais? Alors, on va aller chercher la barre de coupe. Putain, j'y vois rien. Ah tiens, j'ai pas regardé les occases. Je n'ai pas regardé les occases. Si ça se trouve, il y a des trucs de ouf. Oh, voilà, doucement. On va voir. Ouf! Mais si j'avais su, je l'aurais acheté d'occasion. Je sais plus si on l'a acheté. Non, on l'a acheté d'occasion celle-là. Ça va. Bon, allez, c'est parti. Bon, du foin, de la paille, j'en ai pas besoin d'énorme. Donc, ça sert à rien d'en faire une tripotée. Hop. On va faire. Voilà. Voilà. Collision, un peu chelou. Voilà, donc on va en faire un peu. On va faire deux tours avec la paille. Ça suffira, je pense. Quoique je voulais passer en vache laitière, donc il va me falloir de la paille. Le truc c'est que dans la grange j'en passe pas des masses. Ouais, je sais pas, faut que je réfléchisse. Ou alors on se sert du champ qu'on a là-bas au fond pour faire de l'herbe. Mais putain, ça veut dire que je peux pas mettre polo dessus. Ou alors il faut que je passe la charrue. La flemme. Le champ il est grand aussi là-bas. En plus c'est de la montée partout. Oh la vache. Oh la vache. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse peu, mais bien. Ah, mais j'ai le champ à côté aussi, là. Ouais, mais c'est pareil. Si je veux mettre polo dessus. Ouais, en plus, il est à moitié en forme de lune et tout, là. Je sais pas comment je vais faire, hein, si je veux passer en vache laitière. Parce que j'ai vraiment envie de passer en vache laitière. Mais... Ça veut dire faire plus de bouffe. Hein, si je passe en 45 vaches laitières. Plus de bouffe. Plus de bouffe. Plus de paille, non, la paille, limite. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire, les gars. Faut que je réfléchisse. Ah, ça veut dire que la température de la pièce va monter d'un cran. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, exactement. Il a pas besoin de mettre le chauffage. Ouais, on va faire comme ça. Hein. Ça m'enjaille pas, mais on va faire comme ça. Hein. On va le faire. L'ensilage et le foin, on va le faire à la main. Ça m'enjaille pas, mais bon. C'est pas comme si j'avais le choix. Parce que là, ouais, je vais plus avoir assez. Faut que je fasse 280 000 litres de bouffe. Et là, je peux en faire. 116 x 2. Non, même pas, je peux en faire 116 000, c'est tout. Hein. Et ouais. Et ouais, et ouais. Donc, ouais, non, je suis. Je suis fichux. Je suis fichux. Il va falloir que je fasse tout à la main. Ouais. Donc on va revendre le champ qui est tout au fond là-bas parce que c'est trop loin, ça me saoule. On va acheter le champ en forme de lune là, qu'on a à côté. Et on fera l'herbe dessus pour les vaches. Ça me paraît être le mieux. Ah merde, je suis plein, j'avais pas vu. Putain, j'étais en train de réfléchir. Ouais, ça te va pas du coup. Ouais, j'avoue. Ouais, donc je pense que le mieux ce serait d'acheter celui-là là. Ce serait d'acheter celui-là, d'essayer de faire un champ carré, enfin rectangulaire. Ouais, je vais perdre quand même pas mal. Je vais en perdre quand même pas mal. Mais bon, je pense que je peux faire 200 000 litres là-dessus. Ça doit être faisable. Ça doit être faisable, je pense. Ah, remarque, non. Même pas. Même pas. Ah ouais, c'est relou ça. C'est relou de chez relou. J'ai dit la paille, il m'en reste 70 000. Il m'en faut une remorque. Vous croyez que je les ai, que je l'ai la remorque là.
Bon, on va tout faire en paille, au pire, de toute façon, on peut semer par-dessus, c'est pas un drame. S'il en reste. C'est pas un drame. Ouais. Ouais, je suis un peu... Ah ouais, si, je peux faire... Si je fauche deux fois, je devrais avoir de quoi avec la lune. Avec la lune... J'ai oublié de remettre en marche ma coupe. Ouais, je pense que ça va se finir comme ça, du coup. Ça va se finir comme ça. Bon, après, ouais, c'est vrai que l'orge, ça va vite. Hein. Pas de soucis. J'ai eu à peine le temps de réfléchir que j'ai déjà fini. Bah, un hectare avec du 13 mètres, presque 14 même, ouais, ça le fait. Hein. J'avoue que ça va. Allez, va-t-on taper les 9000 litres? Non, on va pas taper les 9000 litres. Mais on a terminé. Les poules, je viens de les nourrir en plus, donc j'ai même pas besoin de vider dedans. Je viens de les nourrir ou... Je sais plus. Je sais plus si je viens de les nourrir ou si je les ai nourris le mois dernier. Je les ai nourris le mois dernier. Ah, mais les moutons, j'ai le champ là-bas, j'avais oublié. Vu que j'ai plus de deux enclos. Le petit champ que j'ai à côté des moutons, ça suffira. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ouais, faut que je range le... Enfin, faut que je vide le grain. Ah, j'ai trop d'outils, les gars. Quand je fais table, là, j'ai 1 million d'outils à switcher avant d'arriver là où je veux. C'est relou. Donc on va vider l'orge. Ensuite on va s'occuper de ramasser la paille. Et puis on pourra avancer le temps. Hein. On pourra avancer le temps. Les vaches sont vendues. Les vaches, je sais plus. Les vaches, non, elles sont pas vendues. Allez, vidage. Vidage d'orge. Ah oui, c'est vrai que ça prend 15 ans. Je peux aller vendre les vaches pour l'instant. On va leur remettre un petit peu de RTM au passage. Hop. Un peu de RTM. De vente et après on peut rembourser un peu de crédit aussi, ce serait pas mal. Combien on a de crédit? 210 000, on peut presque tout rembourser. Hop, il nous restera que 15 000 de crédit, ça va. Ouais, ça veut dire qu'il va quand même y avoir une grosse création de champs quand même avec la charrue encore. On peut pas y couper de toute façon parce que tous les champs qu'il y avait sur la map on les utilise déjà, donc on va pas pouvoir y couper, hein, les gars. On va faire deux remorques de paille, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Putain, on a les patates aussi au mois d'août. Non, non, c'est septembre, je crois. Donc là, ouais, on va avoir les carottes en premier. On va se louer la grosse machine. On va se louer la grosse machine. On a prévu la place pour. On va pas se cailler le lait. Ouais, mais du coup, la location de la machine va te coûter 4 fois la récolte que tu vas faire. C'est à peu près ça. Sinon, là, sur cette carrière, qu'est-ce qu'il nous reste à acheter? La machine pour le maraîchage, donc 600 000 presque. La machine pour la patate, donc ça fait 1,2 million. La machine pour la betterave, ça fait 1,7 million. Le biogaz, ça fait 3 millions. 3 millions, et puis c'est bon, quoi. 3 millions, et puis c'est bon, quoi. Après, je dis ça, ça paraît beaucoup, mais c'est même pas un an, au final. C'est même pas 2 ans, je veux dire. C'est un an et demi. En 1 an et demi, on aura acheté tout ce qu'on a besoin pour la carrière, quoi. Après, j'aimerais bien aussi m'acheter le gros camion là, pour faire les copeaux de bois. Ça aurait été sympa. Ça vaut combien? 800 000, je crois. 700 000. Allez, donc du coup, on va passer le temps jusqu'au mois de juillet, les gars. Allez, mois de juillet, il faut qu'on s'occupe des poules, des vaches, des mines. Et puis, on sera pas mal. Hein. Déjà, on va sortir les palettes d'œufs. Et bonjour à tous et bienvenue sur Palette Simulator, les amis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On bouge des palettes, parce que de toute façon, on fait que ça. Par contre, le jeu, il est bien, c'est si t'as un pote qui est chariste dans la vie et que c'est sa passion, et que le soir, quand il arrive, tu joues en multi avec lui et qu'il te bouge toutes les palettes, tu vois. Ça, c'est top. Je sais pas si y en a beaucoup, mais des joueurs comme ça m'étonnerait. Parce que là, putain, qu'est-ce qu'on peut se bouffer comme palette, les gars? C'est ouf, hein. Oh, je vais prendre les trois. Hein. Ah, j'ai failli faire une connerie. Je vais prendre les trois. Hein. Et puis à ça près. Hein. Allez. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Enlève. Est-ce que vous croyez que je peux passer 3 de large? Oui! Oui, oui, oui,
tranquille. On va remettre à manger. On va les vendre. Hop. Voilà. Giant, si vous regardez cette vidéo, j'ai une super idée pour vous. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Ce serait trop bien que sur les véhicules, on ait une option pour l'enlever du tab quand on switch de tracteur ou de camion. Tu vois, que tu puisses activer ou désactiver, comme là, tu vois, appuyer sur H ou sur U pour décharger de quel côté, machin et tout. Ouais, que par exemple, je dis une connerie, mais on appuie sur O. Il n'y a pas d'O, non. Ah si, c'est klaxonné. Bon, on appuie, je sais pas, moi, sur n'importe quelle touche, les gars, sur J. Et que du coup, on passe plus sur le camion quand on fait tab. Comme ça, quand on a beaucoup de matos, on peut faire tab que sur le matos qu'on utilise beaucoup. Et ça, ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Je sais pas si c'est comme moi, mais... Quand je commence à avoir des fermes un peu grosses comme ça, là, où je commence à avoir 12 000 véhicules et qu'il faut que je tab 12 000 fois pour trouver le bon tracteur. En plus, des fois, ça me gonfle, du coup, j'essaye d'aller vite et du coup, je rate le tracteur, je suis obligé de repartir à zéro, de refaire tap, 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 tap. Mon dieu, quelle horreur. Ouais, il t'en faut pas beaucoup pour être débordé, quand même. Ouais, j'avoue. Mais bon, je pense pas que ce soit un truc très très dur à faire, non? Bon, voilà, mes amis, nous voici au mois d'août. Putain, on a plein d'argent, ça serait peut-être le moment de rembourser. Ouais, j'ai coupé la longue planche, les gars, parce que l'enclos pour les moutons était plein. Les arbres à chat étaient pleins. Et je disais... Ouais, on rembourse. Voilà, on n'a plus de crédit. C'est impeccable, les gars. Impeccable. Un tien d'occasion. Non, que de la merde. On va mettre le robot à nettoyer. Comme d'hab. On va refaire de l'RTM pour la vache. Donc là, normalement, on devrait tuer l'ensilage qui reste. Là, normalement, on devrait tuer l'ensilage qui reste. Ces convoyeurs, les gars, même sur le plat, ça bouge tout le temps. C'est une horreur. Hein. Là, avec... c'est la première fois, je pense, les gars, sur toutes mes carrières, que j'ai autant de surface. Or, j'utilise pas la moitié. Parce que d'habitude, pour ceux qui découvrent la chaîne, là, maintenant, alors, ça fait 3 ans qu'elle existe, la chaîne, non ? Et, ouais, mon kiff à moi, c'est d'avoir très peu de surface, mais d'optimiser à fond et de faire le plus d'argent possible avec le moins d'espace possible. Et du coup, c'est très très rare que j'ai autant de... Déjà, ça c'est pareil, on peut le vendre, non? On s'en fout. Ah ouais, franchement, là, du terrain, j'en ai... Je l'exploite pas à un tiers de ce que je devrais, hein, mais j'en ai tellement que c'est ridicule. Bref, là, on est bon. Ensuite... Ouais, ben moi, quand je fais une partie, j'achète tous les champs presque de la map. Ben, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tout le monde joue comme il a envie de jouer. Moi, je préfère jouer comme j'aime jouer. Du coup, les amis, c'est quoi maintenant? Ah oui, les carottes. Normalement, c'est les carottes sont cuites. Normalement. Prêt pour la récolte. Impeccable. Donc, on va aller chercher la remorque. Ouais, je vais aller chercher la remorque avec... on va prendre le Mac. J'en ai marre du JD. En tout cas, les gars, avec la récolte des carottes du premium, là, eh bien, on aura utilisé tous les DLC qui sont sortis pendant ces 3 années sur cette carrière. Donc, mission accomplie. On n'a pas utilisé tous les outils de tous les DLC, mais on a utilisé au moins quelques outils de chaque DLC. Donc, ouais, mission accomplie, hein, les gars. Mission accomplie. Qu'est-ce que je disais? Machine pour le maraîchage. C'est ça. 637 000, on va la louer pour la première année. Non, parce qu'on vient juste de plus avoir de crédit, j'ai pas envie d'en refaire tout de suite. Allez, c'est parti, Jackie. Hein? T'es prêt pour l'eau? Bah ouais, je t'attends. Hein. Bon, bah allez, let's go. Oh non. Oh, t'es pas sérieux. Oh, t'es pas sérieux. Putain, dis-moi qu'on peut lever la buse. Dis-moi qu'on peut lever la buse. Oui, putain, j'ai eu peur. J'avoue que j'ai eu un peu peur. Ça passe, mais c'est juste quand même. Va pas falloir avoir une merde dans l'œil. Attends, Polo, attends, attends, faut que je règle le régulateur de vitesse. Ah, branle-les, moi j'avance, t'as qu'à suivre. Oh putain. Oh putain, pourquoi y a pas de carotte qui tombe? Ah si, ça y est. Ouais, après, on a un rendement pourri, hein, on le sait. On a que 50% du rendement. Faut que j'arrive à me caler à 10 km/h. Hop.
Voilà. Putain, ça va moins vite que 10 km/h. Merde. C'était pas prévu. Oh, on a fait 4000 litres de carottes quand même sur la petite ligne. Ah, quand même un gros rendement, hein, vu que le rendement est éclaté. Oula, Polo. La manœuvre de ouf. Oh putain. Eh, s'il doit te foutre de ma gueule toutes les 2 minutes, moi j'arrête, tu te démerdes. Ça va, quoi, putain. La vache. Cette manœuvre, quoi. Vas-y, mais pourquoi, même à 9, je vais plus vite? C'est 8 Putain, la vache, c'est 8 km/h. Je me rappelais plus, je croyais que c'était 10. Ah non, c'est 8. C'est 8. Mais bon, franchement, on est bien. J'aurais même pu faire un petit poil plus large, mais bon, j'aurais été un peu plus gêné par les arbres, donc... Je trouve que là, c'est bien. C'est bien comme on a fait, honnêtement. Voilà, on fait nos petites carottes, nos petites carottes en maraîchage, les gars. Voilà, c'est impeccable. Impeccable de chez impeccable. Oh, doucement, Polo, putain. Mais quel bourrin. Ben, c'est toi, tu vois pas que je recule? Non, on a pas vu que tu reculais comme ça. Hein. Bourrique. Bourrique. Ouais, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça va me prendre un temps considérable. Ça, c'est un détail. Par contre, pourquoi ils ramassent que 2 rangées alors qu'il y en a 3? Enfin, en tout cas, visuellement, on en voit que 2, quoi. C'est chelou, hein. Ah, ça y est, ils ramassent 3 maintenant. Il fallait que je le dise, en fait. Alors que je regarde aussi quand c'est que ça se vend. Et ouais, il va falloir les stocker. Ah, mais d'ailleurs, le stockage, il va falloir le faire après cette rangée. Il va falloir le faire après cette rangée, le stockage. Ah, mais c'est stylé, hein, mon petit coin agro-forestier maraîchage, là. Agro-maraîchagerie. J'invente des trucs, moi, ça y est. Enfin, j'invente, non, ça doit exister, j'invente des mots. Ah ouais, quoi, il y a déjà 78%. Hein, je te dis, il va falloir qu'on fasse un truc... Et ouais, de toute façon, il va falloir faire une ferme, là, pour le forestier plus le maraîchage. Là, ce champ-là, je pense qu'on va vraiment le réduire parce qu'il me faut déjà de la place pour faire mes manœuvres. Mais en plus, je sais pas si je vais pas faire ma ferme dessus. Ramassage de carottes. Hop, hop, hop. Mais bon, quand je pense que j'en ai pas fait la moitié, les gars. Putain, je vais faire 60 000 litres de carottes, les gars. Vous vous rendez compte? Après, les carottes, ça vaut rien. Hein. Mais, en termes de prix. C'est pas ça qui va nous rendre multimillionnaires, hein, qu'on soit bien d'accord. Du coup, on va se mettre... Putain, 176 000 euros le Aldebrac, mais what the fuck? Mais what the fuck? C'est tellement cher! Après, bon, je peux m'en servir pour mettre les carottes d'un côté et du matos de l'autre, quoi. Donc, l'un dans l'autre. Bon, on va être là. Ah ouais, les bâtiments, là, on n'est pas sur des bâtiments modernes, les gars. Là, on est en autre shit, hein. Tu le sens, hein, sur le prix des bâtiments. Ouais, mais bon, t'es pas obligé d'utiliser des halles de vrac pour mettre des céréales en vrac, faire des cultures en vrac. T'aurais pu prendre un bâtiment à 10 000 balles, là, en tôle. Bah ouais, mais c'est pas prévu à cet effet. Allez, vide des carottes. Ah ouais, là, j'ai peut-être vu un peu large. Je sais pas si je ramasse correctement. C'est pas grave. On va pas recommencer. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say.
6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the a.m. that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. Bon ben voilà les amis, les carottes c'est terminé, on va les 8 dessins, on peut rendre la récolteuse, on en aura quand même fait, 60 000 litres quand même, c'est pas mal, hein. Je pensais pas en faire autant. Allez, hop, on va mettre ça par dessus, voilà, bon du coup on peut pas voir hein, parce que, on peut pas voir quoi, mais je pense que ouais, on est aux 60 000 litres. Hein. On est aux 60 000 litres sans problème. Bref, on peut rendre du coup ça. Faut que j'aille voir vite fait mes patates. Mes patates, hein. Les pétras sucrières, elles sont en cours de croissance et elles sont bientôt prêtes. Hein. Elles sont bientôt prêtes. Mois prochain, on peut ramasser les patates. Je sais plus si je me suis occupé des vaches. Les vaches, santé 100%. Non, il faut aller vendre les vaches. Est-ce qu'il faut refaire de la RTM? Non, il y en a plein. Ah, et puis en plus c'est plein. Ok. J'avais juste oublié de vendre les vaches. D'accord. Ok. Allez, vaches vendues. L'ensilage, il n'y a plus. Donc ça va être la prochaine étape. Pour refaire de l'ensilage et refaire du foin. Mais avant ça, je veux tester. Voir si je mets un coup d'engrais, est-ce que ça marche? Yes, donc c'est débugué, c'est bon. Donc là, on est monté à 50%, c'est bon. Donc après, bien sûr, on a l'état doit être labouré et tout, hein. il faudra d'autres matos, mais on n'est pas là. Là, il va falloir labourer, les gars. Putain, la vache, j'ai pas envie. Oh la vache. Parce que là, il y a un gros champ à labourer encore. Enfin, en tout cas, ouais, ça, c'était pas si mal de faire les carottes, hein. Il n'y en avait pas beaucoup, donc ça va. Franchement, ça va, c'était pas trop chiant à faire. Bon, alors, on va poser ça là. Ah oui, mais déjà, il faut que je fauche avant de créer le champ. On va pas gaspiller toute l'herbe qu'il y a dessus. Chargeuse de balles, en dénain. Non, j'ai pas de faucheuse. Ah ouais, ok. On a quoi d'occasion, d'ailleurs? Ah oui, il y a que de la merde. Du coup, on va acheter les faucheuses. Est-ce qu'on prend les Samaz? Ouais, il faut 330 chevaux. Ça fait yesh, hein, honnêtement. Là, il en faut 350. Ouais, on va prendre les Pottinger. Je suis désolé, mais honnêtement, si... elles sont tellement mieux. Mais il n'y a pas photo. Allez. Parce que même en dimension, je suis pas sûr qu'il y ait un gros écart. Hein. On va voir. 10 mètres. 12 mètres. Ah ouais, 12 mètres 30 quand même. Et le Samaz, 9 mètres 40. Là, le Samaz, elle est plus petite. Oh putain, le boulet, con. Ça m'apprendra à regarder le magasin. Oh putain, on a ça à faire aussi. Oh la vache, les gars, j'avais complètement oublié le colza. J'avais complètement oublié que c'était à nous. Mon dieu, quand je t'ai fait une virgule. De... Bienvenue chez les bourrins, quoi. Bienvenue chez les bourrins qui font n'imp. Oh putain. Ah ouais, non, il faut que je m'occupe du colza, les gars. Putain, ouais, non, il faut que je le fasse avant l'herbe parce que je vais oublier, c'est sûr. C'est sûr et certain. Bon, eh bien, allez, c'est parti. Alors, il va falloir en faire une partie en silage, il va falloir en faire une partie en foin. Ça va être un peu le merdier, quoi. Alors là, par contre, à la création de champs, je sais pas comment je vais faire, mais... Pour que Polo, il arrive à faucher ça. Ah ouais, me fais pas des champs en forme de lune et je sais pas quoi. Parce que sinon, moi, je vais te montrer la mienne de lune. C'était super fin, ça, Polo. C'était super fin, quoi. Après, donc, moisson du colza, ensuite moisson des patates, ensuite moisson du tournesol, ensuite moisson des betteraves. Ah, les gars, on est. En ce moment, on a fait une grosse session bois, bateau, truc pourri et tout. Là, je suis dans une grosse session agricole. Hein. Pas de problème. Mais c'est ça qui est bon. Enfin, pouvoir faire un peu d'agricole, quoi. Avec deux lignes, au final, ça me semble pas beaucoup. Je pense pas que je vais avoir assez. J'espère, mais je suis pas sûr.
Bon, les gars, si vous voulez savoir si on va avoir assez ou pas, eh ben, je vous invite à revenir demain pour le prochain épisode, puisqu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, comme d'habitude, ça aide beaucoup les petites chaînes comme la mienne. Pour ceux qui découvrent la chaîne, les épisodes, c'est du dimanche au vendredi. Non, du dimanche au jeudi, pardon. Du dimanche au jeudi, le samedi soir, c'est live, et le dimanche, on reprend jusqu'au jeudi prochain. Tous les jours, 18h, épisode. Donc, du dimanche au jeudi. Donc en attendant demain et le prochain épisode, les amis, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Et du coup, en attendant, portez-vous bien. Allez, salut !